Yahoo, petit bancha, j'espère que tu vas bien et j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour l'ouverture d'un colis K-pop. Donc, si la suite t'intéresse, continue. Alors, je ne vais pas t'en dire plus. On va d'abord ouvrir le colis et après, je vais t'expliquer un petit peu pourquoi cet achat, etc. Sache que c'est une pièce que j'avais vraiment envie d'avoir dans ma collection d'objets K-pop. Et que je pense que je vais acheter certains qui sont aussi de sa collection. Tu verras un peu plus tard. Donc voilà la taille du colis, comme tu peux te rendre compte qu'il est assez gros. Et donc comme je dis, c'est une collection, il y a plusieurs items dans le même genre. Et je pense que je vais acheter les autres qui ont rapport avec les chanteurs du même groupe. Voilà, je ne t'en dis pas plus pour l'instant, je vais juste ouvrir. Et c'est bien ce que je pensais, c'était bien ce colis. Donc, je vais t'expliquer vite fait. On est avec le groupe Monsta X. Je ne sais pas si tu les connais, mais voici une petite photo, en tout cas, du groupe au complet. Du groupe, il y a encore à peu près un an. Parce qu'il y a un des chanteurs qui a dû partir, hélas. Toujours est-il. Donc, moi, il y en a trois principalement que j'aime par-dessus tout. Un quatrième que j'adore aussi énormément. Enfin, deux que j'adore énormément, mais il y en a un, on va dire, qui ne compte pas. Et bref, ils ont sorti, il n'y a pas très très longtemps, une collection d'objets en rapport avec eux. Et si tu me connais un petit peu, tu sais très bien ce que j'ai acheté. Je te montre juste ça. Est-ce que tu arrives à savoir ce que c'est? Il est trop mignon! Voilà, c'est une peluche. Alors, il faut savoir en fait qu'ils ont fait, je te mets l'image à côté. En fait, il faut savoir que chaque chanteur a eu une peluche à son effigie et celle-ci, c'est celle de Chonyu. Il faut savoir que Chonyu a été au tout début, pendant très longtemps, je te la remonte comme ça, pendant très longtemps, était mon numéro 1. Alors, on va dire qu'il est toujours plus ou moins mon numéro 1 avec Im. Je pense que ça se dit comme ça, Im. Toujours est-il, donc Chonyu, j'avais très envie en fait d'avoir sa peluche parce que de sa forme, parce qu'il me semble qu'il y en a une ou deux qui est pas très pratique par rapport à mes préférés. Donc moi j'ai Chonyu, Im, Honey, Minhyuk, si je prononce bien. Après je te dis par rapport à l'ordre, ça serait Wono, Ki Yoon, si je dis pas de bêtises au niveau du nom, et après c'est, je retiens jamais son nom au dernier. Toujours est-il, donc bah voilà, j'ai voulu avoir celle de Chonyu. Je m'achèterai par la suite celle de Im et celle de Honey, ça c'est sûr. Après Minhyuk, je ne sais pas du tout si je l'achèterai ou pas. Ça dépendra aussi de l'envie, des finances et de son rendu esthétique. Mais celle-ci, je la voulais énormément. Alors je pensais, par rapport à sa forme, peut-être qu'elle serait pratique pour moi pour dormir avec. Mais j'ai l'impression, là, en prenant dans mes bras, que ça ne sera pas pratique pour moi. Parce que je suis très capricieux pour les peluches qui dorment avec moi. Ce qui est dommage parce que je comptais très clairement, en fait, et c'est pour ça que je l'avais acheté. C'était une des raisons qui m'a poussée aussi à l'achat. C'était pour pouvoir l'emmener en fait quand je fais mes opérations et avoir, tu vois, mon Chonyu en fait qui me soutient, ou Im ou Honey, tu vois, qui me soutient en fait tout pendant mes opérations. Mais il n'a pas l'air très très pratique en tout cas pour dormir. Voilà, ça ne sera pas à mon avis très pratique pour moi. Donc je pense, je l'emmènerai sûrement, mais il ne dormira pas forcément dans mes bras. Les soirs d'opération, voilà. Donc avant de terminer la vidéo, on va revenir sur quelques petites informations en ce qui concerne la peluche. Premièrement, j'ai décidé de l'acheter via la plateforme Amazon. Pourquoi? Tout simplement parce que là, avec Amazon, j'étais sûre d'avoir une date de livraison, une date de livraison qui était estimée à peu près à un mois total. Et Wish, actuellement, pour recevoir des objets, soit tu as de la chance et tu les reçois très très rapidement, soit il arrive encore que certains objets que j'ai commandés, même en juin, mettent plus d'un mois, plus de deux mois à être livrés. Donc je n'avais pas du tout envie d'attendre et j'ai préféré passer par Amazon. Pour ce qui est du prix, je vais te l'afficher à côté de moi. Les grandes lignes, personnellement, je suis très satisfait. Elle est très belle. Il n'y a pas du tout de défaut. Enfin, si, là, il y a un petit fil qui... Si on veut chipoter, voilà, il y a un petit fil. Tu vois, mais sinon, tous les détails sont super bien faits, etc. J'adore le rendu. Elle est très, voilà, très intense. Enfin, très intense, ouais. Je sais pas, très... tu vois, on l'écrase pas facilement, je veux dire. Donc, j'aime énormément. La vidéo est à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir en likant, en commentant ou même partageant cette vidéo. N'hésite pas à me dire justement toi que ton ordre de préférence au niveau du groupe Monsta X. Et surtout n'hésite pas à me dire justement si tu veux que je te fasse une vidéo
quand je vais acheter les prochaines peluches. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et on n'oublie surtout pas de sourire quoi qu'il arrive. Bye!